français là. Je dois pouvoir t'aider pour te trouver un poste. Hablas espagnol? Tu connais l'Espagne? Ouais, je connais un peu Ibiza. Je suis triste que tu partes. C'est à partir de là que j'ai décidé de partir un an en Espagne. Et vous, vous parlez espagnol? Hablas espagnol? Alors pour trouver un appartement dans Barcelone, c'est toute une histoire. I'm Italian, German, Danish, English, espagnol. Sure, cool. Des deux établissements et les entreprises, j'ai mis en place une plateforme collaborative. Les entreprises sont invitées à y entrer pour prendre connaissance du contenu de notre coopération éducative internationale et pour disposer de tous les documents nécessaires pour que les étudiants puissent réaliser leur stage. Celles-ci pourront par exemple télécharger les CV, lettres de motivation ou convention de stage, par exemple, des étudiants. Par ailleurs, j'ai créé un espace étudiant qui permet aux étudiants français et espagnols de communiquer à travers les différents modules de la plateforme. Par exemple, les étudiants de Terrassa ont réalisé une vidéo de leur ville destiné aux étudiants. Bonjour, étudiants de Sedan. Nous sommes étudiants de commerce international. Je m'appelle Marc. Bonjour, je m'appelle Yair. Bonjour, je m'appelle Miguel Ángel. Bonjour, je m'appelle David. Bonjour, je m'appelle Cristina. Buenos días, me llamo Robert. Soy su profesor de francés. Bonjour, je suis Aaron et je suis le cameraman. Nous vous expliquer et présenter les liens que nous créons les plus importants. Le lendemain, j'avais sans doute raté plein de trucs. Je suis français, espagnol, anglais, danois. Je suis comme l'Europe, je suis tout ça. Llamarte a mi ventana y pude recordar que fui viajero, que pude tocar el borde donde se termina. En los sueños donde el viento aprendí a volar, el borde donde se termina el mar, nace en los sueños donde el viento. Suelo y luego.
va plonger dans l'éducation nationale. On va parler de quelque chose d'un petit peu original, direction le lycée avec Charlotte Canals. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau. Merci. Alors Charlotte, vous revenez de quelques mois, 3 mois passés à Barcelone. Vous faites un BTS commerce international. Oui. Comment, dans un BTS, on se retrouve à partir à étudier à Barcelone? Eh bien, en fait, c'est un programme qu'on m'a proposé. C'est vrai que d'habitude, on le propose plutôt aux universités ou à d'autres formations. Donc, c'est un peu, notre lycée est un peu précurseur dans cette formation. On nous a donc proposé, sur candidature et après sur sélection, de passer ces 3 mois à Barcelone pour étudier donc à Barcelone ces 3 mois. Pour les spectateurs qui ne connaissent pas forcément le programme Erasmus, tu l'expliquerais comment? En fait, c'est partir étudier dans une école qui propose la même formation qu'on réalise en France, mais dans un autre pays. Donc moi, j'étais à Barcelone, donc en Espagne, étudier mes matières, mais dans une autre école. Avec ton expérience, tu trouves que ça serait intéressant qu'on puisse généraliser ce genre de démarche? Tout à fait. En plus, pour un BTS, bon, moi, commerce international en plus, c'est vrai que partir dans un pays à l'étranger, ben, ça fait vraiment international du coup. On ne reste pas en France dans des études théoriques, ça nous permet d'acquérir une certaine expérience. Et c'est vrai qu'en 2 ans, ça nous permet quand même d'acquérir peut-être une ouverture d'esprit et déjà une expérience. Moi, j'ai 19 ans, donc j'ai déjà un stage à l'étranger à mon actif, plus cette mobilité Erasmus. Et je pense que c'est vraiment un point positif pour la vie.